Chers abonnés des Plumes Conscientes, je vous présente le livre « Ce que je sais » de Kassavubu, écrit par Jean-Robert Bakou Nzangita, dit Dardar, avec la collaboration de Floribert Bodhi, dit Tsikou Lufoa. Le livre est publié en 2019 aux éditions Mabiki et préfacé par le professeur Ngoma Binda. Jean-Robert Bakou Nzangita est l'un des témoins qui ont été aux côtés du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavubu, dans la période ayant suivi sa destitution jusqu'à sa disparition le 24 mars 1969. Bakou, dit Dardar, est donc un artiste peintre, sculpteur, ancien professeur de dessin et directeur de l'internat à la colonie scolaire, puis à l'école technique professionnelle de Boma. C'est un éducateur chevronné avec le souci de transmettre le sens de l'histoire à la nouvelle génération. Voilà donc un livre de transmission d'un pan de l'histoire de la République démocratique du Congo qui est relatif à une part de vie d'un des plus importants pères de la nation, une part de mémoire saisie par un témoin direct, avec la volonté d'informer modestement les prochaines générations. Nous découvrons ici comment s'est déroulée l'après-présidence de Joseph Kassavubu, destitué de sa fonction en novembre 1965 et relégué ensuite à Boma dans sa résidence Hortensia de Kisundi. L'auteur Jean-Robert Bakou a partagé ce quotidien de Joseph Kassavubu, devenu ami de la famille et qu'il appelle affectueusement Bouta Muntu. Il témoigne des qualités de gouvernance politique admirables, autant que de la quotidienneté discrète des derniers jours de la vie de Joseph Kassavubu. On y découvre donc un Kassavubu calme, qui prenait le temps de la réflexion avec beaucoup de tolérance et de respect pour les autres. Un président qui tenait ses comptes et gérait le bien public avec rigueur et probité. Un président qui restituait à l'État l'argent non utilisé au cours des voyages officiels. Un président qui savait faire la part des choses entre le bien privé et le bien public. Ce livre est une belle découverte. Il se lit d'une traite. Tenez, un extrait. La relégation. Après quelques jours d'anxiété passés au Kontchachi, dans de très mauvaises conditions, Kassavubu, tout serein, se rendit à Boma, avec sa femme et une de ses filles aînées. Après quelques jours d'anxiété passés au Kontchachi, dans de très mauvaises conditions, Kassavubu, tout serein, se rendit à Boma, avec sa femme et une de ses filles aînées. Les événements du 24 novembre 1965 avaient conduit Kassavubu à envoyer ses enfants étudier en Europe, afin de les mettre à l'abri de toute surprise désagréable. La descente de l'ex-président Kassavubu à Boma a été commentée à la radio et dans les journaux. Tout concourait à faire croire que Kassavubu allait chez lui en repos avec l'attention soutenue du gouvernement. Une forte délégation militaire l'accompagnait. L'opinion populaire doit savoir que le président Kassavubu avait été relégué à Boma sans la moindre attention de l'État et c'est jusqu'à sa mort. Son cas est comparable à celui du président Haïlé Sélassié, déchu et gardé en résidence surveillée dans son palais présidentiel. Pour distraire l'opinion internationale, on sortait le président déchu au balcon de temps en temps, de temps à autre, pendant quelques minutes. Question de faire croire que l'ancien président était à l'aise et en fonction. Pourtant, il était gardé dans une pièce, à valise, où il restait nuit et jour. Pour le reste, je vais vous inviter à découvrir de vous-même. Je vous recommande la lecture de ce livre. Il y a un pan de l'histoire de notre pays qui est caché. Vous retrouverez ce livre dans toutes les librairies, sinon dans toutes les plateformes de vente et de téléchargement en ligne. N'oubliez pas de vous abonner. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore, lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais également en tant que société. Au revoir.